Dossier international. Sommet entre Trump et Kim à Singapour le 12 juin. Le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un s'est tenu à Singapour, à l'issue duquel les chefs d'État ont signé un document commun. 23h48, 12 juin 2018. Donald Trump se rendra en Corée du Nord et Kim Jong-un aux États-Unis. Dernière mise à jour, 20h29 16.06, 201 820/29/16/6/2018. La Chine pourrait demander aux USA de retirer le THAAD de Corée du Sud. La situation dans la péninsule de Corée évolue dans le sens suggéré par Moscou et Pékin. Il s'agit notamment d'un règlement par étapes du problème nucléaire de la Corée du Nord, dont l'affaiblissement des sanctions visant Pyongyang, à titre d'encouragement de ce dernier. Sputnik s'en est entretenu avec des politologues russes et chinois. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 23h55 13.06, 201 823/55/13/6/2018. Les moments clés de la rencontre historique entre les dirigeants nord-coréens et américains. La rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim et le président américain Trump a lieu à l'hôtel Capella situé sur l'île de Sentosa, à Singapour. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. 14 dernière mise à jour, 10h14 13.06, 201 810/14/13/6/2018. Le Kremlin réagit au sommet. Kim Trump, porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a commenté le sommet historique de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, soulignant qu'il serait erroné de compter sur une solution immédiate à un ensemble de problèmes tellement anciens. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 8h32 13.06, 201 808/32/13/6/2018. Trump lève le voile sur la personnalité de Kim Jong-un vers une amitié tellement improbable. Au lendemain du sommet historique, Donald Trump a partagé son opinion sur Kim Jong-un, le qualifiant d'excellent négociateur. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 20h45 12.06, 201 820/45/12/6/2018. Trump indique s'il fait confiance à Kim Jong-un. Selon le président américain, le dirigeant nord-coréen lui inspire de la confiance, mais les choses pourraient changer, et rien ne semble être garanti quant à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 15h42 12.06, 201 815/42/12/6/2018. Quand la poignée de main historique Trump-Kim entre dans l'histoire de Twitter. Vidéo: Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé mardi à Singapour une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. La réaction des internautes et même des experts du langage corporel n'a pas tardé à venir. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 14h27 12.06, 201 814/27/12/6/2018. Beau et maigre, la réaction de Kim Jong-un à la plaisanterie de Trump devient virale et Kim Jong-un semble ne pas avoir apprécié une blague de Donald Trump qui a demandé aux photographes de prendre des clichés sur lesquels les deux dirigeants auraient l'air beau et maigre. Une vidéo montrant sa réaction a été rendue publique par The Guardian. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 13h11 12.06, 201 813/11 12/6/2018. Cette ex-star de la NBA serait-elle à l'origine de la rencontre entre Trump et Kim? L'ex-basketteur Dennis Rodman a-t-il servi de médiateur dans le rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord qui a abouti à la première rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un? Cette possibilité a intéressé BFM TV. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 12h31 12.06, 201 812/31/12/6/2018. L'Iran commente l'issue du sommet. Kim Trump. L'Iran a averti le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de ne pas faire confiance au président américain, qui pourrait annuler
leur accord de dénucléarisation même, avant son arrivée aux États-Unis, sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, midi 18-12.06, 201-812 sur 18-12-6, 2018 crise cardiaque d'un éminent conseiller de Trump pendant le sommet avec Kim Jong-un et le principal conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, a été victime d'une crise cardiaque pendant la rencontre historique de Donald Trump et Kim Jong-un, ayant abouti à la signature par les deux dirigeants d'un document commun. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 10h38-12.06, 201-810 sur 38-12-6, 2018 Trump annonce sa volonté de se rendre en visite à Pyongyang lors d'une conférence de presse suite au sommet historique à Singapour avec Kim Jong-un, le président américain s'est déclaré prêt à se rendre, au bon moment, à Pyongyang. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 10h31-12.06, 201-810 sur 31-12-6, 2018 Trump se prononce sur l'avenir des sanctions frappant la Corée du Nord bien que Donald Trump et Kim Jong-un se soient mis d'accord pour travailler sur une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, la partie américaine a toutefois déclaré que les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord resteraient en vigueur pour l'instant. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 8h44-12.06, 201-808 sur 44-12-6, 2018 Donald Trump a montré la « bête » à Kim Jong-un, vidéo, lors de sa promenade avec le dirigeant nord-coréen sur le territoire de l'hôtel Capella, le président américain lui a montré sa limousine Cadillac One. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 7h43-12.06, 201-807 sur 43-12-6, 2018 sommet historique, Kim Jong-un et Donald Trump signent un document commun, le monde verra de grands changements à l'issue du sommet, les dirigeants américains et nord-coréens Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document commun en marge de leur sommet à Singapour. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 7h42-12.06, 201-807 sur 42-12-6, 2018 Trump a caractérisé ses relations avec Kim Jong-un aussitôt après la fin du premier tête-à-tête entre le président américain et le leader nord-coréen, Donald Trump a déclaré qu'il avait des relations excellentes avec Kim Jong-un et que leur entrevue avait été fantastique. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 7h12.06.20018071200620120618 poignée de main les discussions, fantastique, le sommet Trump-Kim touche à sa fin les sommets historiques entre Kim Jong-un et Donald Trump s'est achevé à Singapour. Les deux dirigeants semblent être satisfaits de leur premier tête-à-tête. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 22h15-11.06, 201-822 sur 15-11-6, 2018 sommet Trump-Kim, un accord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne à venir. Il est très probable que Donald Trump et Kim Jong-un annoncent, à l'issue de leur sommet, un accord dans le domaine de la sécurité sur la péninsule coréenne, qui éclipsera tous les accords auxquels les États-Unis ou la Corée du Sud étaient parvenus auparavant, estiment des experts sud-coréens dans une interview accordée à Sputnik. Sommet entre Trump et Kim à Singapour dernière mise à jour, 16h42-11.06, 201-816 sur 42-11-6, 2018 La veille de son sommet avec Trump, Kim se promène à Singapour, photo, lundi soir, soit la veille du sommet avec Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est sorti en compagnie de son entourage de l'hôtel Saint Régis de Singapour. D'après le journal local The Straits Times, il effectue une excursion dans la ville. Les premières photos n'ont pas tardé à faire leur apparition sur la toile.
sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 16h18.11.06, 201816 sur 18.11.6, 2018 à la veille du sommet de Singapour, Téhéran met en garde Kim Jong-un et le retrait décidé unilatéralement par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire ainsi que d'autres accords internationaux a montré que le président américain est un partenaire non fiable, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. De fait, Kim Jong-un doit être très vigilant, a-t-il ajouté. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Dernière mise à jour, 9h09.11.06.20.01809090911-06-20-18. Une fille de l'ambassadeur US en Russie taxe Trump de dictateur, Commentant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un prévu à Singapour, Abby Huntsman, animatrice à Fox News et fille de l'ambassadeur US en Russie, s'est accidentellement laissée aller en plein direct. Sommet entre Trump et Kim à Singapour. Plus d'infos.